Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Muriel, bonsoir Claire. Oh, ça se connecte vite ce soir. Il y a du monde. Super. Alors, mon copain va de nouveau m'accompagner ce soir. Donc là, il est en train de se connecter pour avoir aussi les images et surtout, du coup, vos commentaires et vos questions si vous en avez, bien sûr. Bonsoir Linda, bonsoir Patricia, salut Christelle. Super, il y a plein de monde ce soir, salut maman. Bon, on va commencer. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va faire donc des cakes au... comment dire, à quatre parfums différents dans le moule 4 quarts. Donc voilà, ça vous permet de faire quatre cakes en même temps, alors soit de la même saveur, soit de quatre saveurs différentes, ce qu'on va faire ce soir. Donc c'est un moule qui est à 59,90. Alors il est plus sur la boutique, j'ai vu ça tout à l'heure, mais par contre moi en tant que conseillère, je peux quand même encore toujours le commander. Donc voilà, pour passer commande, n'hésitez pas à me contacter. Le moule est toujours disponible. Est-ce que tu peux me le rincer, s'il te plaît? Et bien sûr, on va toujours le poser sur la plaque aluminium perforée. Ça permet un bon maintien du moule et une bonne répartition de la chaleur pour une cuisson uniforme. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va commencer... J'espère que vous avez passé un bon samedi. Il faisait beau, ça faisait du bien aujourd'hui d'avoir un petit peu le soleil. Comparé à hier où il faisait gris, c'est vrai que là du coup, c'était agréable. Même s'il ne faisait pas forcément très chaud, mais on avait au moins le soleil. Alors du coup... Donc la recette, elle est sous le post que j'ai publié en début d'après-midi. J'ai mis la liste des ingrédients. Mais de toute façon, je republierai le tout, je pense, demain, si je trouve le temps. Sinon, lundi, sans faute, vous aurez toute la recette avec la vidéo via mon Instant Gourmand, comme je fais toujours. Comme dit, n'hésitez pas si vous avez des questions... Mon compagnon peut les lire. Voilà, déjà ça c'est bon. Ok, alors ensuite on va s'occuper des œufs. Bien sûr, j'ai mis mon doigt dedans. Tu peux me chercher l'éponge, s'il te plaît? Non, pas celle-là, l'autre. Celle que je prends toujours pour m'essuyer les doigts. Là. Merci. Hop, alors on met 4 œufs. On va les casser les uns après les autres, s'ils veulent bien se casser. Celui-là a été compliqué. Je vais te laisser casser les autres et comme ça, moi, je vais commencer. Si c'est compliqué pour moi. À mélanger. Alors, on va mélanger du coup. Non, dedans, hein, s'il te plaît. Ils sont pas bons. On les casse toujours avant au cas où il y en a un qui est pourri, sinon on n'a plus qu'à tout recommencer. Oui. Donc toujours dans le cul de poule, ce qui est pratique, il a une grande contenance. Là ce soir on va en avoir besoin. Il est arrondi au fond, ce qui permet vraiment voilà, de bien mélanger. La préparation elle va toujours bien retomber au fond et donc bien se mélanger de manière uniforme. Il est en inox, c'est vraiment pratique aussi quand vous avez des préparations à mettre au bain-marie ou des préparations à faire refroidir. Ça conduit très très bien la chaleur ou le froid et du coup ça économise du temps.
Ensuite, on rajoute le sucre. Il a une contenance de 3,7 litres, donc c'est des grandes cuves cool. Ça permet de bien mélanger sans en mettre plein à côté. Voilà, maintenant je vais rajouter. Alors là, j'ai ma farine avec déjà du coup ma levure. J'ai tout de suite mis le sachet dedans. Je vais l'incorporer petit à petit, pas tout d'un coup. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Toujours pas. Quelqu'un dit qu'il faut parler plus fort. Ah, faut parler plus fort. D'accord. Bon, alors je vais parler plus fort. C'est vrai que le téléphone est un peu plus loin que d'habitude. Alors pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Ce soir, on fait du coup des cakes aux 4 parfums différents dans le moule 4 quarts. Qui est vraiment pratique, ça fait des cakes pas trop gros, pas trop petits non plus aussi. C'est ça qui est agréable avec ce moule, c'est que même si on fait 4 fois le même cake au même parfum, ça fait des parts, voilà, pas trop grosses. On peut toujours l'en faire et puis congeler, et puis décongeler quand on en a besoin. On peut aussi faire les pâtés en croûte dedans, comme dans les 5 cakes longs ou dans le cake normal. Mais du coup, ça fera encore une autre taille de pâté en croûte. Alors j'espère que ce soir l'image est bonne, on a mis plus d'éclairage. J'espère que ce n'est pas flou. La dernière fois, c'est vrai que j'ai eu quelques soucis. Alors que d'habitude, ça va plutôt bien, mais... Est-ce qu'on peut remplacer le yaourt par du fromage blanc ? Oui, sans problème. Sans aucun problème, vous pouvez mettre du fromage blanc à la place du yaourt. Voilà. C'est vrai que je l'aime bien ce moule 4 quarts parce que voilà, là une préparation aussi bien salée que sucrée. C'est vrai que ce soir on fait du sucré. On va faire du sucré pour le goûter de demain. Mais vous pouvez très bien faire une préparation salée. Après vous partagez. En 4 et vous mettez les saveurs que vous voulez. Des questions ? Non, pour l'instant l'image est bonne. Pour l'instant l'image est bonne, super alors. Flou de temps en temps. On a tout éclairé au maximum alors. Jean-Charles qui demande si on livre. Non, on livre pas. Non. On va sur l'attestation, il n'y a toujours pas écrit qu'on peut livrer. Click and collect, ça marche pas. Sur l'attestation, il n'y a pas. Voilà, je vais rajouter de la poudre d'amande. Alors là aussi, si vous voulez mettre de la poudre de noisette, ça marche très bien aussi. Donc comme je vous disais, là, l'avantage vraiment du grand cul de poule, c'est que quand on travaille des quantités comme ça, eh ben, on n'en met pas plein partout. Et le fouet aussi très pratique avec sa forme bien arrondie, qui d'ailleurs du coup va très bien dans le cul de poule. Et pour bien mélanger, elle est assez large au bout, ça c'est le fouet 17 cm que j'utilise. C'est sûr que là 13 cm il serait un peu petit pour la quantité de pâte que j'ai. Voilà, et on termine par rajouter de la crème liquide. On y va doucement vu que la préparation était un peu épaisse. Le temps que la crème s'incorpore à la préparation.
tu veux mélanger le reste. Y a-t-il des questions? C'est bon, il me remplace. Non, il y a des coucous et voilà. Eh ben, coucou à tout le monde. Coucou Angélique, du coup, j'ai vu. Hop, je vais te mettre de côté. Et du coup, on va préparer. C'est ça. Non, je sens que c'est glissé. Ah. Je te fais quoi de ma balle? Ah. Hop. On va ensuite utiliser la balance et c'est là où je me rends compte que j'ai oublié de préparer quelque chose, mais c'est pas grave. On va le faire de tête, on va faire du calcul. Ça va? Bah oui. Donc là, on va faire un cake à la banane, un cake à la pâte à tartiner. Un cake citron pavot et un cake orange cannelle. C'est bon? Non. Ah. Presque. Bon, alors j'en profite pour vous rappeler du coup qu'il y a un superbe moule œuf de Pâques. Alors on est à moins d'un mois de Pâques maintenant. Ça approche quand même relativement vite. C'est un moule en édition limitée, seulement 3000 exemplaires. Il en reste plus beaucoup. Donc vraiment, ne tardez pas à le précommander. Il est uniquement disponible pour le moment en précommande. Il sera expédié à partir du 22 mars pour l'avoir pour Pâques. C'est un moule voilà, avec lequel vous pouvez faire aussi bien des œufs en chocolat hein, qu'on va retrouver chez le chocolatier, que des entremets, des vacherins. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses dedans. Il est super beau avec le décor intégré. Il est au prix de 38,50€ seul. Et il y a des kits sur la boutique en ligne avec des chocolats et des moules pour friture. Vraiment, tardez pas, il part hyper vite. Et en plus, Pâques, c'est quand même bientôt. Et c'est vrai que là, cette année, ils nous ont vraiment fait un super moule, Guy de Marle. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, il va falloir partager cette pâte en 4. Du coup, j'avais pesé mon cul de poule à vide. On va regarder combien il fait maintenant. Ok, 1836, donc 1004, je suis à peu près un peu moins de 1400, et donc divisé 350, on va faire 350 par, environ 350 grammes du coup par cake. Alors, super balance, extra plate, donc elle se range dans un tiroir sans problème, sans prendre de place. Elle s'adapte à toutes les tailles de récipients, les petits, et du coup vous pouvez ouvrir pour les plus grands. Elle est vraiment, du coup, vraiment top. Et du coup, hop, on va prendre un cul de poule et on va donc ensemble enlever. Super Maryse nettoie fouet. Voilà, ça aussi. Et ça aussi, finalement. Parce que du coup, je vais prendre celle-là. Alors, spatule double embout pour aller bien racler les bords. Et du coup, je vais prendre environ 350 grammes. Voilà, et on va partir pour la première préparation. Alors, hop, est-ce que tu peux me couper cette banane en petits morceaux, s'il te plaît? Alors, pour le cake à la banane, on va donc couper une banane en morceaux. Je te sors le couteau. Et je vais rajouter un petit peu de maïzena dans la préparation.
C'est d'une part pour l'alléger un petit peu, parce que la banane c'est quand même assez lourd. Et en même temps aussi, vu qu'elle va rendre un petit peu d'eau en cuisant, ça va être pour éviter que ce soit trop humide. Pas présente au début, on travaille dans le moule 4 quarts, ça vous permet de faire 4 cakes en même temps. Voilà, on met les morceaux dedans. Et donc comme je disais, le moule 4 quarts pour le moment, il est plus disponible sur la boutique en ligne. Mais nous conseillères, on peut l'avoir. Donc je peux vous le commander avec grand plaisir. Il est vraiment vraiment pratique, c'est un basique. Et on verse dans la première empreinte. Et du coup, vous avez dû voir, en tout cas pour certains, que j'ai gagné un trépied suite à un challenge Guy de Marle. Donc j'ai été tirée au sort cette semaine-là, on est 20 personnes à l'avoir gagné, dont deux collègues donc de l'équipe d'Agnès. Et en fait, il vient juste d'arriver. On allait enclencher le live quand ça a sonné. On s'est demandé ce que c'était. Et il vient vraiment d'arriver alors que j'ai été prévenue mercredi que j'avais gagné. Donc hyper surprise et hyper contente. En 3 jours, top chrono, il était là quoi. Donc bien sûr, je ne peux pas encore le tester. Il est encore dans le carton, mais en tout cas, il est arrivé. Voilà pour le premier. On va le mettre là. Et on recommence. Alors du coup, alors je vais te laisser faire. 375. Hop, donc environ entre 340 et 350 tu mets. Moi je vais. Hop. Commencer celui-là. Alors un citron non traité. Moi, je prends toujours du bio, mais vu que là, on va prélever le zeste, c'est quand même mieux de prendre un citron non traité. Alors, le zesteur 4 en 1 qui vous permet de faire 3 tailles de zeste, des petits, des moyens, des grands. Et il y a un côté pour enlever la peau des agrumes ou des avocats. Alors, il a été victime de son succès, ce zesteur. Il est au prix de 14,90€. Il est vraiment, vraiment top. Là, c'est vrai que pour l'instant, il est en rupture. Il devrait revenir prochainement, d'ici la fin du mois, je pense. Mais voilà, il est vraiment chouette et je pense que c'est pour ça que du coup, il n'y en a plus. C'est bon ? Oui. Hop. En plus, il est vraiment super efficace. On passe une fois, c'est bon, on a fait le geste. De l'agrume en question. Comme ça après tu pourras hop, le couper en deux. Et on va presser que la moitié parce que ça reste voilà des cakes quand même moyens, on va dire de taille moyenne. Donc on va éviter que ce soit non plus trop citronné, sinon ça va pas être très mangeable. Voilà. Je te laisse le couper en deux. Donc là, on a le zeste. Je vais prendre aussi. Pardon. Une cuillère à café de graines de pavot. Voilà. On met ça de côté. Et du coup, pour
prélever le jus du citron, on va utiliser notre presse-agrumes. Alors, c'est un presse-agrumes en inox. On met le citron à l'envers. Et du coup, on n'a plus qu'à appuyer. Et du coup, tout le jus sort. On n'en perd pas. On extrait tout. Il est vraiment hyper, hyper pratique. Simple à utiliser. Hop. Et voilà. On n'a vraiment plus rien. Merci. On aura encore besoin après pour celui à l'orange. Hop. Certains disent qu'il y a des problèmes de son. Ah, c'est des problèmes de son cette fois. Bah, décidément, la dernière fois c'était l'image, cette fois c'est le son. On va y arriver. Le son, c'est-à-dire que ça coupe. Ah. Ah oui, je ne me suis pas mise en 4G aujourd'hui. J'ai oublié. Du coup, je suis sur le réseau Wi-Fi. Et on n'a pas un réseau top. Du coup, enfin, on n'a pas un Wi-Fi top. C'est vrai que ça, j'ai oublié. Désolée. On va réussir à en avoir un live parfait. Hein, Le prochain sera le bon. Oui. Jamais 203, hein, le troisième, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Alors, très pratique, hein, cette spatule double embout qui permet vraiment de bien racler. Donc là, vous voyez, je ne change pas de cul de poule à chaque fois. Hein, je garde le même. Je pèse ma préparation. Je rajoute les ingrédients. Je mélange. Et voilà. Je te laisse repeser. Environ 340-350. Et on va faire celui à l'orange et à la cannelle. Il y en a chez qui ça va et il y en a chez qui ça va pas, le son. Ah. Bon, alors soit c'est notre connexion, soit c'est du coup peut-être aussi la vôtre qui fait que ça bug un petit peu. Alors là, l'orange, pareil, on va prélever le zeste de l'orange, le jus de la moitié seulement. Et on rajoutera du coup un petit peu de cannelle. C'est bon. La balance, on peut l'enlever. Du coup, tu as besoin de ça? Non. Donc dans le dernier quart, on va rajouter la pâte à tartiner. Donc si tu veux le faire, tu peux. De celui-là? Oui. Et du coup, moi dans celui-là, je vais rajouter le zeste d'orange. Ça sent bon les agrumes. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas le son. Le son. S'il y a des problèmes de son, c'est vrai qu'il n'y a pas l'odeur qui passe à travers les téléphones. Pas encore. Peut-être qu'un jour ça le fera. Je sais pas. J'avais entendu parler que c'est des choses qu'ils aimeraient mettre au point. Peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, là, ça sent bien l'orange, le citron. On a vraiment des super odeurs. Ça sent bon. Voilà. Hop. Le couteau, tu l'as mis au fond. Ouais. Donc là, c'est une orange relativement petite, donc j'ai pu la mettre à l'envers dans le presse-agrumes.
Tu m'en as mis dessus. Elle était peut-être quand même un petit peu trop grosse en fait. C'est la preuve qu'il marche bien. Oui, là c'est sûr, il marche bien, mais du coup. Bon. J'ai décoré ma cuisine au jus d'orange. Voilà. Je vous montre quand même l'orange. Voilà, il n'y en a plus. On va mettre de côté. L'avantage d'avoir plein d'ustensiles du coup, hein, il peut être en train d'utiliser la spatule double en bout. Moi j'utilise ma spatule haute température qui permet aussi de bien mélanger. Je vais rajouter un petit peu de cannelle. Alors là niveau quantité c'est comme vous le souhaitez, hein, si vous aimez ou pas. Moi j'adore ça, mais je ne vais pas non plus vider mon pot. Mais... Quelqu'un demande la recette, si vous pouvez les avoir. Oui bien sûr, bah, elles sont déjà sous le... Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir ? Elles sont déjà sous mon post précédent que j'ai publié en début d'après-midi où je parlais du live de ce soir. J'ai déjà mis la liste des ingrédients en dessous, mais oui, de toute façon, elle y sera. Je vais t'aider. C'est bon, j'ai réussi. Décidément, ça ne vous plaît pas. Voilà. Oh, là aussi, ça sent bon. Bon, moi, j'adore la cannelle aussi, donc... forcément. Et voilà. Donc là, on a un four qui est préchauffé à 160 et ça va cuire environ 50 minutes. C'est vrai que c'est assez long, c'est des cakes en même temps. De manière générale, les cakes, c'est toujours long à cuire. Ce qui est vraiment pratique d'avoir quatre saveurs différentes, c'est que ben, y en a pour tous les goûts, selon ce que les gens ils aiment ou pas. On trouvera forcément son bonheur. Après, avec le gourmand que j'ai à côté, il n'y a pas de problème. En sucré, il aime tout. Mais voilà. Quand on est invité ou quand on reçoit, on ne sait pas forcément. Du coup, c'est bien de pouvoir varier. Merci. Et donc voilà, poursuit à la pâte à tartiner. Pas de questions aujourd'hui. Hein. Ils nous entendent pas peut-être. S'il y a des problèmes de son, peut-être que vous nous entendez pas. Du coup là, on est muet, c'est les films muets. On est revenu à l'époque où il n'y avait pas le son. Vous nous voyez juste faire des mimiques et tout, ça doit être... Prochain live en noir et blanc. Voilà, c'est ça. On met avec la petite musique de fond qu'il y avait dans les films à l'époque. Hop, voilà. Et voilà. Alors, je vous montre avant d'enfourner. On a 4 cakes, banane, citron pavot, orange cannelle et pâte à tartiner. On enfourne pour environ 50 minutes à 160 degrés. Alors, du coup, c'est terminé pour la recette. Comme dit, le moule, vous pouvez le commander chez moi. Parce que pour l'instant sur la boutique en ligne il est plus dispo au prix de 59,90. Le zester 4 en 1 revient prochainement, mais c'est vrai qu'il est tellement bien que ben, Guy de Marle s'est laissé dépasser par le nombre de commandes sur ce produit, mais il est vraiment super efficace. Donc voilà, dès qu'il est de nouveau dispo, de toute façon je ne manquerai pas de le mettre sur ma page, c'est certain. Et le presse-agrumes aussi qui est vraiment un outil sympa.
au prix de 32 €. Il est en inox, du coup il est résistant, il se lave super bien. Et niveau pressage des agrumes, si on peut dire ça comme ça, vous êtes sûr de récupérer tout le jus possible. Donc voilà, je voulais vous remercier pour vos partages, vous remercier pour vos j'aime. J'ai vu tout à l'heure que voilà, sur ma page, on est passé à 500 j'aime. Donc vraiment, merci à vous d'aimer ma page. Il y a plus de 600 personnes qui me suivent. Voilà, merci à vous aussi. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je ne m'imaginais pas, il y a un an, quand j'ai commencé à voir... Voilà, avoir tout ça et ça me donne encore plus envie de continuer. Donc j'espère que vous avez aimé le live de ce soir. Ma prochaine commande, fin de semaine prochaine, le week-end prochain. Donc pour passer commande, contactez-moi en privé, par mail, par téléphone. Je suis à votre disposition. N'oubliez pas le moule œuf de Pâques, vraiment il est top et il part très très vite. Je pense pas qu'on arrivera jusqu'au 20 mars pour les 3000 pièces qui existent. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, ou du moins en tout cas un très bon dimanche. Il va aussi faire beau, donc profitez du soleil. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde.